Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre 2024. Grande ma joie, encore une fois de plus, de vous retrouver après cette grande émission que vous aviez aimée la semaine passée. En tout cas, j'en suis fier et regardant comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer ensemble avec vous, ça ne fait que me faire plaisir et cela me rassure que ce que je fais, je le fais pour l'intérêt des gens et il y a une audience qui continue à s'accroître parce que les idées que nous émettons ici semblent avoir prendre vie et le Congolais petit à petit commence à se rendre compte que il est le maître principal de son destin. Il ne pourra pas être ballotté d'ici à droite. Madame, Monsieur, vraiment bonjour encore. Cette émission, je le fais dans un cadre d'une réponse à quelqu'un qui m'a vraiment irrité au courant de ce week-end. Ce quelqu'un-là, vous pouvez vous en deviner, c'est bien Martin Fayoulou. Vous aviez deviné ça, vous aviez lu ça dans le titre. Nous allons encore réfléchir sur le dialogue qui se profile à l'horizon, s'il y en aura lieu. Mais moi, mon enchantement aujourd'hui, c'est que même si j'ai été irrité par le message qu'il a donné, parce que j'analysais le message et je me dis, est-ce que vraiment Martin Fayoulou comprend exactement qu'est-ce qu'est le destiné? Je suis allé aussi sur le réseau, sur Twitter. Je suis allé voir la réaction des Congolais et je me suis dit, nous avons un problème et il faudrait en parler. Parce que beaucoup de gens sont entre qu'il y ait dialogue ou qu'il n'y ait pas dialogue. Qu'est-ce qu'on va discuter dans ce dialogue, tout ça? C'est ainsi que nous avions intitulé ce message d'aujourd'hui, le message et le messager. Le messager, c'est celui qui est porteur d'un message. On parle de deal que Fayoulou aurait fait avec Tshisekedi. Les conversations vont dans tous les sens. Finalement, le Congolais lambda, moi je pense, est perdu. Le Congolais lambda est perdu. Il ne sait pas exactement où se trouve la réalité. Et comme on dit que la foule n'a pas d'âme, je ne peux que comprendre que nous soyons en arrivée là-bas. La République démocratique du Congo est en train de traverser beaucoup de problèmes. Mais il y a certains de compatriotes qui disent que non, il n'y a pas de problème parce que Tshisekedi a gagné les élections à 73%. Et donc, raison de dialogue, il n'y en a pas. Donc, nous allons tourner tout autour de cette thématique-là de dialogue qui se profile à l'horizon et vous donner mon propre analyse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que nous devons retenir? Où est-ce que nous allons? Moi, je vais vous donner ce que je pense que là où nous devons diriger notre pays pour mettre fin à des problèmes fondamentaux. Donc, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, nous allons revenir pour développer notre sujet, le prophète ou le message ou le messager. Fayoulou a-t-il raison ou Fayoulou donne des béquilles à Félix Tshisekedi? À tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Sécurité RDC, des tueries signalées au cours d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Et coopération, la Chine présente Félix Tshisekedi en tête à tête avec le président chinois Xi Jinping. RDC, tentative d'évasion à Makala, le gouvernement réagit. On va sur actualité.cd, clôture du mois dédié au 35e anniversaire du FPI. UDPS, la guerre des chefs fait rage. RDC, la milice Codeco décide de sceller deux paroisses catholiques à Djougou. On va sur Congo profond, évasion manquée à Makala, des coups de feu ont retenti toute la nuit à la prison. Muyaya invite la population au calme. Protection de l'enfant, le CEPEF dans le travail social des riz. Enjeu des conflits qui approvisent l'Afrique,
Jacques Njoli et Senkeli, par année, il faut dépenser plus ou moins 18 milliards de dollars américains pour acheter les armes. 7 sur 7, RDC, la Chine prête à étendre la coopération dans plusieurs domaines. IDPS, Déo Bizi pour devoir son programme d'action les 6 mois à venir et promet de descendre au siège du parti. Crépitement de balles à la prison centrale de Makala, le gouvernement signale une tentative d'évasion. Et enfin, 9e édition du forum sur la coopération Chine-Afrique, un tête-à-tête annoncé ce lundi entre Félix Tshisekedi et Xi Jinping. On termine par Radio Okapi. Félix Tshisekedi exige l'harmonisation des calendriers académiques en RDC. La publication de ce lundi, le résultat d'examen national de fin d'études professionnelles, coopération bilatérale et le partenariat commercial au cœur des échanges entre Félix Tshisekedi et Xi Jinping ce lundi à Beijing. Un vent violent laisse plusieurs ménages de déplacer sans abri à Ouicha. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Bien voilà, merci beaucoup chers amis. Merci d'être encore là. Merci d'être toujours branchés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bande koto mekana nous s'abonner sous. Alors, on a na kosenga bino sikoyo, botika ngona lobara ngona ndinga na kolobango pe na swahili. Bo partager ba émission oyo. Soko zola nanga pour la première fois et que olingi ba thématique otozo sala ato lingi ngote. Mais si tu penses vraiment que je suis en train de faire un travail qui mérite à ta moi reconnaissance, nga naza kosenga yo o s'abonner. Naza kosenga yo o partager émission na baninga. Vérité oyo ko bomba yango na yo mo côté. Bandugu yangu benye muko mnanifata ngambo wa Uganda, bandugu yangu benye muko mnanifata ngambo wa Beni, niko na balomba kama munaweza kujiabone. Kujiabone ailombe kitu, haiko ya kulipa. Manake kama unajiabone, manake iko saa unaitika benye niko nasema bandugu yangu. Kama unajiabone na unapenda ujue succession ya maide yenye tuko tunafasiri hapa, juu ya kuendelea juu ukikuwa na kuya kunisikia limwalimoya utapitiwa vya mingi na hauta comprendre succession ya maevenement gisi tuko tunaenda. Njoma na mina kulomba vraiment ujabone na ukuwa na gabule na ukuwa na partager comme nous disons dans ce jargon partager l'émission ça va faire du bien na ita protéger. I kadre yetu ya emisyon yetu kubale benye benye biko haba pendi kunani. Benye bana tutumia ma mesaje za mbaye. Je disais donc que je reçois parfois des messages qui me cœur. Mais c'est ça justement être au devant de la scène pour les combats que nous menons pour le réveil patriotique ou la compréhension ou l'apport de notre pierre pour la reconstruction de notre pays. Il y a des gens qui m'insultent, il y a des gens qui me traitent de Rwandais, il y a des gens qui me traitent de traîtres, tout ça, toutes ces histoires-là. Mais moi, je me dis, les jours où nous comprendrons là où nous sommes en train de partir, c'est ces jours-là peut-être que ceux-là qui ne comprennent pas maintenant comprendront. Alors, mes chers amis, donc, si nous pouvons entrer dans le sujet, le week-end, nous avons vu la rentrée, la venue de Martin Fayoulou qui est rentré au pays. Martin Fayoulou est arrivé, il est parti faire son meeting, il a dit ce qu'il a dit. Cela ne nous intéresse en aucun cas. Ça nous intéresse pourquoi? Parce qu'il a parlé de dialogue. Il a parlé à ce que Batouba Bakoutana Basolola. Est-ce que c'est mauvais? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que c'est mauvais que les gens se rencontrent et se parlent? Je vais aller avec ça dans deux angles. L'intérêt du pays est l'intérêt suprême. Tout le monde devrait s'armer de cette idéologie patriotique à Koloba. C'est pas moi, c'est d'abord le pays. Beaucoup de gens se posent la question, après la sortie médiatique de Félix Tshisekedi,
disant que Fayulu n'a jamais reconnu les élections passées et qu'il ne pourrait pas s'asseoir avec quelqu'un de tel, avec de telles mentalités, ou bien Muto, Bazar, Naye, Penza, en bon terme, et Tepoba sur la Makambo en Boka. Qu'est-ce qui a piqué Martin Fayulu à directement embrasser et dire, à proposer que non, nous devons aller au dialogue. Et il soutient ça. Je ne sais pas. Beaucoup de personnes disent que c'est un deal avec Tshisekedi parce que Tshisekedi, pour l'instant, il faut le reconnaître que Makamboke ne mala mouté. Mboke komi bloqué. Mboke komi bloqué et puis on ne sait pas exactement. Makamongezo koma nenini. Donc, la guerre à l'Est continue toujours. Makambo Luanda, Ezako continue, tout ça. Ezako bâclé plutôt. Donc, on ne sent pas vraiment une certaine avancée. Sur le plan interne aussi, la même chose. Parlement Ezako Kozonga a en au mois de septembre. Oyo. Pour la session à Bangwa septembre. Kozonga. Bon. Est-ce qu'on attend quelque chose de là? Je ne pense pas. Parce que Elokwana Ezana Katia poche à Tshisekedi. Entre-temps, on continue, il y a une guerre, Batoubaza Koloba, justice, tout ça. Les ministres font ce qu'ils peuvent faire pour faire avancer le pays dans un moment haut. Rentrée scolaire, hypothétique, grève, et pas, ça, nous, ce n'est pas du nouveau ce que nous avions vu. Otozo mona lelo, ça dit nouveauté. Makamwana et monana kalatoye biangonenge zalaka. Nous connaissons comment ça se passe. Mais cette morosité de savoir là où nous allons, ça pèse sur nos têtes. Entre-temps, l'AFC est en train de conquérir le terrain là-bas. Donc, Bango Baza vraiment en marche pour conquérir le pays. Et donc, Masolo Nyonso, et Zalika Kapona Kolukabola Mouya Congo. Mais est-ce que ça produit? Ils ont produit les locaux mon côté. Lobby Pekaka et Kozala Sousou Kaka Bongo Bongo Kaka. On a parlé des Émirats Arabes Unis, tout ça, Baba Qatar. Pratiquement, les locaux ils ont Kozongate. Ils ont fait avancer Mbo Kanabisote. C'est là où je me dis. Message au Fayulu la yenango et kotisi confusion na kati ya population baza divisé peuple congolais lobi oui benani Martin Fayulu et komi beki ya Félix Tshisekedi pour se maintenir au pouvoir. Entre-temps batu mususu baza koyeba ke no idée wana za na wata mala mute parce que légitimité za te mutu mutu ekoti. Il y a une certaine animosité. Les gens ne savent pas se situer. C'est pour cela que ce sujet ici continue. Si tu vas dans l'espèce sur X, Mbama Solo et Bele Bele Okomona, week-end au Mobimba Batu, nous surtout bazo parler dans la négociation. Et Kozalato et Kozalate. Nani angwa kubenga négociation. Martin Fayulu, d'autre part, est-il la personne vraiment. Yakolobela dialogue wana. Moi je pense que le président Félix a loupé cette opportunité natango akutana kina basango étant dans une position de défensif akanisa ki ke basango baeke ko attaquer été. Et c'est par là où on peut voir la maturité politique de quelqu'un d'un dirigeant d'un dirigeant qui est vraiment un avatar ou un héros qui a son pays dans son cœur, Yakoloba. Ce n'est pas d'abord moi, mais c'est d'abord le pays. Il a loupé cette opportunité. Ça devait être un moment où il devrait ouvrir ses oreilles en disant « Asengasiko conseil, qu'est-ce que je dois faire avec ta tel. » Tout ça, l'andengeni n'y poba tuana ba, ton dima, ton vanda, ton solola. Bien que moi je ne soutiens pas forme à Masolona na koyebi sabino ango pourquoi. Il a loupé cette opportunité et donc il se retrouve encore seul devant le même histoire ya koloba ke no tozo bunda ba ennemi na biso za ba opposant tout ça les opposants ne l'aident pas ba biloko moko a marque wana. Opposition ko aide o nengeni. Nous sommes en train de faire face à un problème. On va dialoguer. Pour résoudre le problème de l'Est
ou bien on va dialoguer pour résoudre les problèmes à justice, ou bien on va dialoguer pour résoudre les problèmes de l'insécurité. Le dialogue va consister sur quoi? Et c'est là où j'ai trouvé aussi que Fayulu est tombé très bas. Fayulu est tombé très bas, il n'est pas précis. Or, nous ici, nous nous sommes dit, Kosolola, oui, nous sommes pour ce dialogue-là. Batu, il faut pas vendre à Solola. Mais Bakosolola nini? Bakosolola wapi? Banani ango bakosala nakati ya masolo wana. C'est ainsi que je dis. Félix Tshisekedi a loupé cette opportunité de créer un cadre pour faire passer un courant afin d'une préparation ya rencontre wana. Et que moi j'ai dit, ça ne devrait pas être lui. Qu'il puisse laisser les Congolais finalement ba solo la bango moko. C'est ça le dialogue que nous pensons. Parce que ba dialogue oyo ya ba politicien ya koloba ke non, ok, Katumbi yaka awa, Delice Sanga yaka awa, yo Frank Diongo tout ça. Oh ba mou peto kot. Nous en avons déjà eu. Et beaucoup de dialogues qui se sont terminés par des concessions de pouvoir. On s'est dit, bon, Toyokani Boy, maintenant, il faudrait prendre une nouvelle direction. Non, c'est ça que nous avions vu, qui n'a pas abouti à quoi que ce soit. Il y a moins d'un copé, ça va tout le temps, moi, comment dirais-je, cette histoire-là de répugnance en se disant, ça n'aboutira pas. Ces gens-là qui veulent entrer dans ce dialogue-là, ce sont les chercheurs d'emploi. Et c'est comme ça que Tshisekedi peut encore commanditer cette histoire-là, comme Kabila l'a fait dans le dialogue à Saint-Sylvestre, où il y avait aboutissement, oh, bah, tout, bah, partager pouvoir, un gouvernement d'union nationale. Est-ce que notre problème, c'est au niveau du gouvernement? Et c'est ça que j'ai posé dans un espèce hier. J'ai posé à tout le monde, quel est le réel problème que nous avons en République démocratique du Congo? Quel est le réel problème qu'un dialogue intercongolais va résoudre? Tous les dialogues intercongolais se sont attelés à ce pouvoir d'illégitimité. Ce pouvoir légitime, ils voulaient faire quelque chose pour finalement légitimer le pouvoir. Voilà là où le fondement du problème commence. Et nous avons discuté avec un avocat, malheureusement, excusez, je vais taire les noms. Moi, je me suis dit, ah, n'a pas intellectuel beaucoup mis bête à côté boy. Les intellectuels binon débat avocat binon débat tu as mis beko. Au lieu de éclairer biso que problème à Congo et Zali Makamba ya Kinshasa t'es à Makamba gouvernement t'es. Toko kiko kende ko solo la t'es poto kende ko sa la gouvernement sika. Nous n'aurions absolument rien fait. C'est comme ça que nous disons. Le réel problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas les personnes. Faute à battre, ezali que batoazo utiliser mitou na bangote pour pas déceler le réel problème où il faut te résoudre. Toko résoudre en ondengenini. Alors j'ai parlé à cet avocat en lui disant. Mais papa, yozo loba ke no toza na problème, te parce que Tshisekedi a gagné qui ma élection. Je lui ai posé tout simplement une question. Est-ce que Tshisekedi a résolu le problème d'identification de la population? Oza na carte d'identité, n'est-ce pas ça un problème? Na tunye lisusu na lobi, mais bino ba Congolais boza combien? Ata mama ye moko soki ba ebisi alamba. Ah, il faut ye ba nazo lambela combien de personnes? Bakutu combien bakolia? Mais tu sais que des autres dirigeants mboka o ayebi quantité à batouté. Le problème fondamental reste intact. Problème fondamental les aliwana toyebanité. Les Congolais ne se connaissent pas. Les Congolais, il n'y a pas une nation congolaise unie. Mais pourquoi pas ne pas nous asseoir pour nous dire to solo la likambo to ko résoudre ngoneni. Nous avons un pays, j'ai entendu une maman qui parlait bonnement, « Ah bien, qu'on nous donne les cartes d'identité. » Mais carte d'identité, bah, kabola kango, loko, la ngouba, te.
Est-ce que n'est-ce pas ça un problème? Les lois opposent ou a permis de conduire na Congo et ça problème. Je ne dis pas qu'on va s'asseoir pour résoudre ce problème interne. Et ça n'est une pyramide. Ce qui va résoudre problème na base, kuna likolo bilo konyo sotouane kokende nango sans problème. La base c'est quoi? La base c'est l'État congolais qu'il faut reconstruire. Et l'État congolais ce n'est pas le gouvernement. Il faut changer le tout. Est-ce que n'est-ce pas là quelque chose qui peut nous pousser à nous asseoir pour nous dire finalement, ezali kambo gouvernement te, ezali kambo ke mboka na biso ezo kende malamu te, toi tu tu ikale si ebote tu angalie kokoso iko wapi? Où est-ce que nous avions fauché la bonne marche de notre pays? Le Congolais ne veut pas réfléchir. Et c'est ça qui cloche, c'est ça qui fait que tout ne marche pas parce que nous ne voulons pas réfléchir. Nous sommes trop cosmétiques et on se précipite à la solution au lieu de la préparer. Lorsque nous avons un problème, nous devons préparer une solution. Nous devons nous mettre en disant, voici ce qui ne va pas. Voici comment la réponse sera. La guerre 40-45, toutes les guerres ont terminé sur une table de négociation. Peut-être que le gagnant a gagné et puis il dit, bon, ok, même si j'ai gagné, venez quand même ici, comme ça je te maîtrise. Parce que l'ennemi, vous ne pouvez pas l'échapper. Vous ne pouvez pas être qui soit loin de toi. Vous savez une chose, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Kagame est en République démocratique du Congo. Il ne l'a jamais accepté, mais à demi-mot, vous sentez que Kagame a zobundi sabatou na Congo. Et quelle est la raison? Beaucoup de Congolais ne savent. Bakouya qui n'a moutambo na koloba ke non, c'est ça l'ennemi. Les Congolais n'ont jamais compris réellement pourquoi Kagame est au Congo. Biso to kanisa kaga ke non, Kagame a zako exploité ba minere na biso, tout ça. Non, c'est faux. Kagame se prépare. En tout cas, moi, je ne suis pas nani. Nazo analyser kaka naza kope sabino ba raison kaka. Puis je vais refermer cette parenthèse là le plus rapidement possible. Il est là pour prévention de la paix dans son pays. Pour nanini, ayebi que ce qui mongu naza musika na ye moyen à maîtriser exacte. Au moins kende ko bundise le kuna. C'est ainsi qu'il vient. Na koya boye ba bitin de guerre za ebele, il en profite. Ba ennemi ya Kagame baza na Congo. Les ennemis du Rwanda avant que contre Abiyarimana, ezalaki Kagame bazalaki wapi? Bazalaki na Uganda. Kagame a peur que cette même histoire, que le même jeu puisse lui répéter. Yangwana za kozala makambo na Congo. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, biso ba Congolais poto vanda ensemble, to luka solution, il y a problème fondamental ya mboka na biso e bandi wapi. Pour que to sala ba élection a malamu, il faut que to yebana. Il faut qu'il y ait une administration saine que tout le monde a accepté. Botin na kabato ba ke senye uti Kinshasa ke ko sala enrollment na kat. Est-ce que batu bazala kakuna te? Est-ce que ça c'est pas un problème? Et donc voilà les raisons que nous devons nous mettre. Tous te yokana. Nde na za ko lingana ebisabino ke message d'abord pour un dialogue. Ni nyangwe ko zala na kati. Vous évoquez les problèmes fondamentaux et puis vous balancez eloko wana dans les leaders d'opinion pour dire maintenant je veux prendre une décision en disant je convoque ce dialogue-là. Et c'est par là que nous nous sommes dit ça ne peut pas être l'apanage d'un groupe des avocats ou bien master nayo au bengisi bango ba kendo vana na palais du peuple ou ba kendo ko sala dialogue te. La bonne dialogue que nous prenons ici sur Contact Pro Live, ça sera celle qui sera organisée sur toute l'étendue du territoire, dans les 145 territoires. Redonner la valeur de la base. Topper sa base pouvoir.
tout valoriser les 145 territoires. Kuna batubaye bani. Les gens ne peuvent pas s'entrer dedans dans leur territoire parce que au moins tout bandelana nous coco conserver les territoires pour que nous nous disions nous sommes fiers d'être les enfants de ce territoire Nabiso. Toza ko sala nyoso ke territoire Nabiso. Toza la ba élite awa ezala ezala place oyo biso moko toko tozo tonga. Ce n'est pas une division. Donc, dialogue, on a un gars qui est dans le lobby. Il faut Félix Tshisekedi, comme il est au pouvoir, parce que c'est lui qui a la manette du pouvoir. Il faut qu'il dise que tozo kende masolo oyo. Mais finalité, na yango eza kote le misamboka. Kote le misamboka, eza ko luka ba konzi, ko konome ba konzi bo ete. Nous allons recréer le système pour avoir le pouvoir en République démocratique du Congo. Et ça, il y a deux jours, et ça, il y a une semaine, et ça, il y a... tous les Congolais, tout y a une structure en place où les Congolais pourront aller se parler et les paroles qui sortiront dans leurs propos dans le territoire soient d'application. C'est-à-dire soit d'application comment? C'est-à-dire que ce qui toque kuna tolobi awa na mboka na biso, il faut toyeba combien nous produisons comme or na katia territoire Nabiso. Nous sommes combien dans cette... Donc, sur le plan économique, sur le plan structurel et à territoire, mafuta combien to consommaka awa? Nous sommes à combien? Voilà le genre de dialogue que nous pensons qu'il faut aller implémenter. Et par là, ezali kambwa Fayulu te, ezali kambwa Tshisekedi te, ezali kambwa Katumbi te, ezali kambwa Congolais nyonso. Les gens devront être renvoyés dans leur territoire d'origine. Les 145 territoires. Mutumoko pose ngai question à l'obi, mais si on a Kinshasa, ko zalande ngeni. Boyebi bakolo Kinshasa te la, ma réponse. Boyebi bakolo Kinshasa te.
tant que nous ne respecterons pas bakolo ndaku ndaku ane kozala kana problème. Tant que nous ne respecterons pas le bakolo ndaku ndaku e kozala kaka na problème. C'est-à-dire nous avons les chefs coutumiers, les baumbu et les umbu bakolo Kinshasa bazali, ces gens-là redonnent leur la valeur. Na lobi ke bako exclure batu nyonso te. Ce sont eux qui peuvent appeler en disant OK, awa na Kinshasa tozalaka na André Kimbuta na biso. Tozalaka na Koffi Olomide. Koffi Olomide yaka koto yako participe, yako aide biso. C'est à eux de décider. Bangone mutu bako benga. C'est comme par exemple dans les territoires de c'est pas Malembankulu, il peut y avoir un Munande là-bas. O a tonga aza commerce côté à Ituri kuna banande musuba okioza la kuna. Mais les Ituriens vont dire que non, ah papa Germain, atoza Munande yaka ao. O sali sabiso na kati ya dialogue oyo. To solo la ah parce que yozali ao ebi mboka o sali sabiso. Ça sera une c'est ça la cohésion que nous sommes en train de chercher. Cohésion cause yandengeni ni siko. Les gens vont venir maintenant comment? Voilà, lorsque les gens vont se connaître, parce que na loba ki dialogue oh tout biso tozo prôner awa, il faut ezala sur toute l'étendue de la territoire, du territoire na 145 territoires. Maintenant dans les 145 territoires, on va prendre 300 personnes bakolo mabele bakoki ko bien ça va bien abiso to ko kabiso 300 personnes te tozaka soi 250 mais tozana papa moko azalaka awa tout ça tout. Première mission ezali faire un état des lieux de chaque territoire. Chaque territoire fait son état des lieux. Awa ezanini problème ezanini pendant qu'ils sont en train de faire dans ces états des lieux contente état des lieux en ezalini ko examiner une ébauche d'une nouvelle constitution de la 4e République. Chaque mutu atia mokoloto ya koloba keno, nous avions participé à l'élaboration de notre constitution, de notre 4e République. Batuba réfléchir sur toute la thématique ya constitution. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est l'identification absolue de la population. Il faut toyer batoza combien a na kati ya territoire na biso pour que nous puissions être capables à déceler les besoins de notre population. Balia kanini. Nous devons être capables d'avoir tous ces gens, tous ces éléments. Ya koloba awa, nous avons besoin de 500 kilos de maïs chaque mois. Batou o na territoire na biso awa. C'est ça le statistique qui devrait être faite par le peuple congolais lui-même. Ça ne devrait pas venir avec quelqu'un chinois, moko bien français, moko ndé akosale la biso musala wana. Voilà où nous avons broché. C'est ce que nous appelons, nous, un dialogue vraiment intercongolais. Et ça peut se préparer pendant 6 mois. Tosali eloko wana. Et puis, tant que tozo sili ça, par exemple, après 3 mois, on a terminé à réfléchir sur l'ébauche d'une nouvelle constitution et puis l'identification de la population va continuer. Maintenant, les territoires vont se réunir, si le résultat est le bon ébauche, nous avons commencé notre identification. Maintenant, le résultat, surtout la constitution, est qu'il y a un niveau de la province. Et là, on va envoyer une délégation qui va soutenir le texte où il n'y a pas de bango na kati ya territoire. Voilà le cheminement. Mais maintenant, tant que comment on a au niveau territoire, va harmoniser le texte pendant ce temps, l'identification, ça va les makuna, ça va s'identifier tout ça pendant un temps. Ça, c'est l'identification, ça peut prendre le temps que ça prendra, mais au moins un minimum de temps pour que. Tant que tu as un texte légal, tu as un province, na niveau national, on harmonise le texte et on a une nouvelle constitution à proposer au peuple congolais. C'est dès lors que nous aurons à créer maintenant le fichier, parce que nous aurons déjà identifié les gens,
batuna batuba kozala peut-être déjà na ba numéro madnani d'identification na bango et même les cartes d'identité parce que la carte d'identité avant que je ne passe que ça parce que maman moko alobaki no bo pape sa biso ba carte d'identité ça ne se distribue pas comme des cacahuètes. Les cartes d'identité c'est un processus kozwa carte d'identité zali processus maman. Et ce processus doit être mis en place. Ce n'est pas tout simplement acheter les machines et commencer à imprimer les cartes. Non. Nous devons avoir une liste légale. C'est comme ça que je vous ai dit ici, la solution que vous proposez, dans les territoires, lorsqu'ils vont faire les états des lieux, ça sera restreint. Ba tukuna ba koyeba, nani ango kozala na kati ya liste ya banani ya ba. Ce que nous appellerons les Congolais. Et ça, c'est un processus qu'il faut mettre en place. Et c'est par là même qu'on va même commencer à améliorer l'administration dans le cadre du territoire Nabiso. Ça ne doit pas être un truc qu'on va imprimer votre nom, tout ça comme on a fait dans l'enrôlement Awa. Ce n'est pas déclaratif. Ça doit suivre une certaine logique. Et c'est pour cela que Nazako Ebisabatu, au bazar abonné. Abonnez-vous. Parce que nous allons parler comment est-ce que. Pratiquement, on pourra faire ça, cette identification-là. Dans l'émission, la biso prochaine, je crois, dans la semaine, nous en parlerons. Comment est-ce que, dans l'état des lieux, ils vont faire pour identifier les Congolais d'une façon que nous allons protéger les listes. Tous les pays du monde protègent les listes, il y a identité nationale. Comment est-ce que ça va se faire en République démocratique du Congo? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que j'ai une idée quand même. On a eu un lobela pour l'identification de la population. Pourquoi? Parce que je vois ce qui se passe dans d'autres pays. En Afrique du Sud, nous connaissons. Sans carte d'identité ici, vous êtes absolument rien. Tu n'existes pas. Sans carte d'identité, tu ne peux pas avoir un travail. Et l'État, en contrôle de ça, peut évaluer, il peut savoir combien de personnes travaillent. Bah, alors, ngai naza kolobelango parce que dans la lobby, tozo banande mboka ya sika. Tozo kota na mboka ya sika. L'erreur que les Congolais commettent à chaque fois, c'est cette erreur de penser que ce qui est lobby, que non, token à dialogue, mbalamoko, ezanetika, tozo bouka, tozo salaba omelette. Non! Dans le moment où tozali, pour faire les choses très bien, il faut les préparer, il faut imaginer les contours et les contours de Babilo Konyoso. C'est un projet que nous devons monter. Que lorsque nous allons passer à la réalisation, ça demande du temps. Et c'est par là que j'ai répondu à quelqu'un qui m'a posé la question. Ça va prendre combien de temps? Le temps que ça prendra, ça ne nous regarde pas. Ça peut prendre 6 mois, au maximum une année. Totikana nous makambouana. Lorsque nous allons taire, tension, batounyon soba komikoye batozo kende wapi, et jusqu'au mois de août, likambo et fwe salema, pour que tu bande mboka asika place justice kozala place to kozala koyebana qui est qui en République démocratique du Congo, c'est dès lors que nous pourrons commencer à faire des grands projets parce que mbongo na biso moko to ko protéger ango. Nous aurons créé des barrières pour batuba iba. Nous aurons réfléchi comment est-ce que quelqu'un ne peut pas venir chez Aoutika Kachine, Aoutika Sokiwapi, avec Banda pour exploiter les minéraux Nabiso. Et là, nous aurons réussi, nous allons réussir. Parce que nous avons préparé ça. Aujourd'hui, c'est quand même étonnant. Makambozo Salem en République démocratique du Congo. On nomme les gens, 2 jours après. Balongo Libango, on ne sait pas. Aujourd'hui, gouvernement n'a biso bazolo ba kezo sale loko mon côté musala moko ezo sale maté basali combien d'état après 3 mois. Je crois qu'elle n'a que 2 mois. Il n'y a pas de crédibilité tozo e baté ce qui n'est. Nous-mêmes le peuple congolais nous sommes en train de nous maudire.
biso mo konde toza komodir mboka na biso. On ne donne pas le temps aux gens de travailler. Déjà, on commence à dire que non, ah, makabatouana, tout ça, ce sont des faux bateaux. Ils vont travailler comment? Moi, je me pose comme question, ils vont travailler comment dans cet imbroglio, cette histoire ici? Nous devons réfléchir, c'est ça que je veux dire ici. Likambo mboka na biso ekokiko za la kakaka likambo olobika lelo webu mbalamoko oh non gouvernement oh banome gouvernement gouvernement ne komiko pesa. Et puis regardez comment est-ce que Batu bao baza nomé, il se précipite, il pense que ce sont eux qui vont résoudre les problèmes de prison. Ye mokwa kende boye ba mwindo zangi bangwana na ba pikipiki ti kuna na place a potopoto tout ça. Oh, présent, c'est faux, mon ana. C'est pas ça. C'est pas ça. Yé moko moko zaloba qui a partir à Kinshasa, koui woye ba makambweza ko sale makuna. Il faut faire travailler les gens. La population doit travailler. Constant, tu dois réfléchir aux ministres. Tu dois t'asseoir au bureau. Yonde aux têtes pensantes. Les gens doivent exécuter tes mesures. Si les gens, ceux qui sont subalternes, sont capables d'exécuter ce que toi tu as comme idée, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi. Et là, je parle pour que vous puissiez savoir que Ezali Kambwa Mutu, Mutu Nabiso et Sala, Tovanda, Mutu Nyoso, Tunde Mutazo. Ensemble, nous pouvons nous mettre d'accord en disant, en tout cas, Mboka Nabiso Ezamalamute, voici la piste de solution qui va faire avancer le pays. C'est ça le dialogue dont nous demandons. Et nous avions dit, Félix Tshisekedi pouvait bien le faire en faisant passer cette histoire-là dans la tête des leaders d'opinion à Koloba. Bandeko, nous en avons assez. Nous en avons assez de guerre, de l'insécurité. Mboka na biso kende malamu te. Mboka oyo ngai na yebinga moko na kuiko sala yango te. Soki Tshisekedi ye moko bakomi koloba yende mtu akende kotonga bapona na Kasai. Yende mtu akosala boye. Il ne sera pas. On peut lui donner 100 ans. Donc, place ya zalite, musala yokiko sale mate. C'est ce que je suis en train de dire à Constant aussi. Et tous les ministres. Qui pense que la visibilité dans les réseaux sociaux de Kosala Moussala, la capacité de faire travailler les gens, ata au komikunate, mais au yoki keno Moussala et Salemi. Ministère à transport, ezate ke yek ministre kakane mouta okende kosomba ba avion, vous devez faire travailler les gens. Pourquoi vous avez des collaborateurs? Ministère, il faut ça là, il faut battre surtout magistrat, il faut ça. Même à temps qu'on visite ma prison, tes changements déjà qu'on a bango moko baby que awa likambosi musale bandi ko sala. C'est ça le travail, que c'est ça le changement que le peuple congolais attend. Bandeko, c'est un peu ça dont je voulais justement vous adresser cet après-midi. C'est pour ceux qui me suivent à l'après-midi. En tout cas, moi, je pense que le message est wrong et le messager aussi n'inspire plus. Le messager, ce n'est pas lui, ce n'est pas Fayulu qui peut commencer à dire que non, à quoi ça, à quoi bengi sa dialogue. Sinon, il n'a qu'à aller rejoindre Nanga. Parce qu'il y a Nanga lingi changement par les armes. Et c'est là où je dis à Fayulu, moi, je pense que vous êtes très mal placé. Vous devez plutôt vous taire. Vous devriez plutôt vous taire en disant que, bon, ok, na se taire, na zela, mokonzi, asala, bakadre, pona kosala. Vous devriez être ça. C'est crise à la kate. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.